Et vous êtes qui, vous? Vous? Bon, ben très bien. Jacques, tu connais le protocole, j'en parlerai à... Attention, je sais, tu n'es pas impliqué dans quoi que ce soit. Ici, on est là pour faire la sécurité, d'accord? Je te parle uniquement de mon... Mon cher Cornelius et sa sagesse irréprochable, tu voulais me boire? T'es de retour? Bien entendu, Horus qui se pavane à la télévision, qui se pavane dans cette ville. T'es passé où tout ce temps? J'étais aux Bahamas, il faisait beau. Pas comme dans cette région, vous auriez pas pu trouver une autre ville. T'aurais quand même pu faire un effort, non? Je sais pas, nous dire, écoutez les gars, je me casse. Tu sais comment je fonctionne? Ouais. Diana aussi, elle le sait. D'ailleurs, faudra qu'on règle ça. Ça s'est pas bien passé, comme d'habitude. Ça m'étonne même pas. Bon, surtout Diana, même si c'était une mission de merde, tu l'as quand même laissé en plan. C'était une mission de merde, bien sûr que oui. C'était même pas intéressant. J'avais aucun intérêt à ça. D'ailleurs, justement, moi j'ai... Ben, j'ai une super mission pour toi, qui est moins ennuyeuse. Il y a des gens qui se font buter. J'ai entendu parler de ça. Des gens disparaissent, il se passe des choses étranges, hein, franchement. L'autre fois, j'ai regardé la télé, au moins 700 personnes se sont tirées, et à aucun moment on a fait mention des gens qui sont portés disparus ou qui sont morts, non. Et comment ça va se passer? Je vais te rendre service, je vais écouter ta sagesse, je vais être utile. Et après, vous allez encore tous me mettre sur la gueule? Comme alors, quoi je suis mes défauts, que je suis pas parfait? Alors ça dépend de toi. Moi, je veux bien que tu nous aides, en fait. Je pense qu'on a besoin de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? On a besoin de tout le monde pour ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, si c'est pour que tu me la mettes à l'envers comme tu l'as fait avec Diana, j'avoue que, ouais, je pense que de tous, je te fais pas confiance. Tu sais, j'ai appris... C'est celui en qui j'ai le moins confiance. Oui, mais voilà, c'est comme ça. Mon efficacité peut être irréprochable, tu le sais ça. Je sais, tout le monde, mais tout le monde est important. Personne n'est au-dessus de qui que ce soit. Tu vois comment? Prochainement, je vais tous vous réunir au Lux Club. Et moi, tu veux que je vienne avec? Ouais. Tu veux que je sois présent? Une bonne soirée. J'espère que tu mettras les choses au clair avec les autres, parce que pour l'instant, ça se passe très mal. Et moi, j'ai pas envie de changer mon caractère. Tu connais comme je suis. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Et si c'est pour venir et me réunir avec tout le monde et que les autres ne soient pas d'accord avec ça ou que tu les as pas préparés à ma venue, ça ne m'intéresse pas. C'est excellent ce que j'ai vu. J'espère qu'il y en aura tout plein, Alex. Mais t'inquiète pas, je vais faire ce qu'il faut. Le seul truc que je te demande, c'est avec Horus, foutez pas le bordel. Ok? C'est tout ce que je demande. J'ai découvert pas mal de trucs. J'ai même la pression, enfin... J'ai la sensation d'avoir des problèmes de santé. Ou je perds régulièrement connaissance. J'ai beaucoup de mal de tête. Tu sais, discrètement, je t'ai vu. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je suis venu discrètement, j'ai assisté à quelque chose. Je pense vraiment qu'il faut... Wow, t'assistes à quoi? Tu vas me dire que t'étais là ce soir? Je suis venu ce soir. Le soir à l'inox, quand le maire s'est pointé et puis il y a eu un immense bordel, j'ai eu peur pour toi. J'ai eu très peur pour toi. J'ai vu ce qui s'est passé. Et à mon avis. Attends. Il s'est passé quoi du coup? Parce que j'ai perdu connaissance, je me suis tiré. Et là, j'ai entendu dire qu'il y a eu une panique, tout le monde s'est dit. Il s'est passé quoi? Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais moi, je pense que les personnes qui sont impliquées dans ces disparitions, dans ces meurtres, je pense qu'ils font partie de cette sphère de personnes qui sont à l'État ou qui travaillent. Je ne sais pas si c'est dans la mairie, je ne sais pas si c'est dans les forces de l'ordre. Mais à mon avis, si on veut chercher le mal, on doit s'approcher de ce genre de personnes. J'avais déjà le maire dans le viseur, t'inquiète pas. Je l'avais déjà dans le viseur.
je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à ça. Je vais pas lâcher. Il faut qu'on s'intéresse à ça. D'ailleurs, je te cache pas, il y avait un mec un peu bizarre à côté de lui. Je sais pas si t'as vu. Grand, des lunettes de soleil. Avec des lunettes de soleil. Ouais. Putain, le mec, il était assis à côté de lui comme si c'était un émir ou je ne sais pas quoi. Il je a sais pas bougé, rien. En tout cas, au moment où toi, t'as eu ta perte de connaissance et que t'as commencé à vaciller et partir, lui, il a directement filé. C'est le premier qui s'est levé et qui est parti. Donc je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à cet individu. Mais je ne sais pas où le trouver, ça il faut qu'on l'utilise. Tu sais, quand tu dis qu'on doit peut-être tous maintenant se réunir avec toutes nos forces et mettre tous nos pouvoirs en commun, je pense que c'est une excellente idée. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Je vais te dire un truc. Que ce soit toi, Horus, Calix. Franchement, je vous fais pas confiance, ok? De toute façon, t'as jamais fait confiance à personne. Si, quand même. Non, tu n'as jamais fait confiance. Diana, tu l'as dit, tu m'as jamais fait confiance. Diana est la seule en qui j'ai confiance. Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. Mmh. Elle, au moins, elle ne m'a pas laissé tomber. C'est la seule à être restée, vous êtes tous tirés. Mais elle, avec son petit chéri Horus tout le temps, oh, il m'énerve, celui-là, il m'énerve. Peu importe. Écoute, avec ce qui se passe, vous êtes déjà là les quatre. On verra si je peux retrouver Calix. Mais dis-toi une chose, retiens bien cette date. Calix, c'est une schizophrène. Elle sait même pas où elle en est. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vraiment qu'on se réunisse les cinq? Et puis toi, pour avoir laissé Diana en plan, t'en étais où, tu penses? Tu vois? C'était une mission de merde, c'est vrai. Mais là, il y aura une bonne mission, tu vois? Là, il y aura moyen de creuser, il y aura moyen de chercher parce qu'il se passe des trucs vraiment bizarres. S'il y en a un, des quatre, je me fais du temps. Je me démerderai pour mourir la vie. Et je me casserai illico presto et je vous laisserai dans votre petite ville de merde. Il n'y a pas de problème. Par contre, moi je vais aussi te dire un truc. Déjà, c'est un secret pour personne. Horus ne t'aime pas. D'accord? Je ne demande pas à être aimé. Je compte sur toi. Si on peut sauver la population ou qu'on peut faire quelque chose. Je compte sur toi. Je compte sur Diana. Je compte sur Horus. Quand je verrai Calix, je lui dresserai la situation. Parfait! Ça marche. Juste une chose. Je sais que Horus ne t'a pas dans le viseur. Mais juste pour qu'on soit au clair, toi et moi. Si ça tu nous mets des bâtons dans les roues, écoute-moi bien. Si tu nous mets des bâtons dans les roues, Horus ne sera pas ton seul problème. Fais-moi confiance pour ça.